Bon, alors, on va refaire un petit vol digne de ce nom pour un tour de piste à Rennes. Foxgolf Alpha Mike Papa, 682, une personne à bord. Demande autorisation en roulage pour tour de piste. Information Yankee reçue, India reçue. Fox Mike Papa, transpondeur 70 heures unité, roulé point d'arrêt piste 28 via Bravo. Piste 28 via Bravo, 70 0 unité reçue. Fox Mike Papa. Alors il a dit via Bravo. Mike Papa, point d'arrêt piste 28, point d'arrêt Bravo, en attente d'instruction. Fox Mike Papa, alignez-vous piste 28, autorisé décollage, vent 110 degrés 03 nœuds, et rappelez vent arrière main droite. Autorisé piste 28, rappellerez main droite, vent arrière main droite. Fox Mike Papa. Papa, rappelez finale piste 28. Fox Mike Papa, rappel final piste 28. Ce sera bon à toucher. Toucher affirmatif. Affirmatif. Fox Mike Papa. Mike Papa, finale 28 pour un toucher. Fox Mike Papa, autorisé toucher piste 28, vent 110 degrés 03 nœuds, rappelez vent arrière main droite. Autorisé toucher 28, rappel vent arrière main droite. Fox Mike Papa. Charlie
Sierra 35, bonjour, numéro 1. Continue approche sur l'ILS 28, rappelé, établi, piste 28, pour information, vent 110 degrés, 0,3 nœuds, visibilité 7 km sur la piste, QNH 1024 et donc en tour de piste, un PA 28. Charlie Sierra 35, rappel, établi sur l'ILS, on a copié les vents. Vente arrière, ma droite, piste 28, expect. Poste Mike Papa, je vous rappelle. Donc là, j'ai des repérages, parce que je vais faire un petit peu, j'ai l'impression. Fox Mike Papa numéro 2, maintenez position par la gauche. Maintiens position par la gauche, Fox Mike Papa. Sierra 35, autorisé atterrissage piste 28, vent 110 degrés 0,3 nœuds et vous avez le PA 28 sur votre tribord, bien au nord. Charlie Sierra 35, autorisé atterrissage sur la 28 et dans son copie on a des QN sur le trafic. Fox Mike Papa numéro 2, vous avez le visuel sur l'Airbus 318. Numéro 2, Fox Mike Papa, négatif, pas de visuel. Papa, je pense que vous devez avoir le visuel maintenant sur place. Fox Mike Papa, négatif, je cherche. Visuel sur le trafic, Fox Mike Papa. Reçu. Mike Papa numéro 2, rappelé final piste 28. Numéro 2, Fox Mike Papa rappellera final 28. Charlie Sierra 35, faites 180 degrés, remontez la piste 28 et la sortie à Delta. Charlie Sierra 35. Charlie Sierra 35, en fait on a déjà quitté la piste. On a pris la première sur notre gauche sans faire le 180. On a tout quitté. Je vais faire ma piste parce que la ECO est fermée sur les documents du SIR.
là, j'ai arrêté les rails. Attendez, je vous rappelle. Qu'est-ce qui vous arrange le mieux, passer par la 14 ou passer bon, là où vous êtes, ça va pas être facile. J'aurais plutôt tendance à vous dire, puisque c'est fermé, remontez et puis reprenez la piste 28 et sortez de la bêta. Ok, donc on va faire demi-tour et puis on va reprendre la 28. On vous rappelle une fois qu'on fait tourner pour Charlie, c'est à 30. Oui, reçu Charlie, c'est à 30. Fox Mike Papa, remettez les gaz et dégagez par la droite le plus rapidement possible. Mr. Gary, Fox Mike Papa, dégage par la droite. Ça, je veux bien attendre. Fox Mike Papa, numéro 1, rappelé final, piste 28. Numéro 1, piste 28, Fox Mike Papa, rappelé final. Charlie Sierra 35, on a quitté la 28. Charlie Sierra 35 reçu, roulez parking aviation commerciale, poste Charlie Unité. On roule jusqu'au poste Charlie Unité pour Charlie Sierra 35. Reçu, correct. Papa, autorisé option piste 28, vent 120 degrés, 03 nœuds. Autorisé 28, Fox Mike Papa. Ouais, j'ai l'impression de sentir le vent qui pousse, là, je sais pas pourquoi. 120, à moi à gauche. Génial. Final 28 Fox Mike. Pour un toucher. Fox Mike Papa pour un complet. Fox Mike Papa autorisé atterrissage piste 28, vent 120 degrés, 03 nœuds. Piste 28 pour un complet, Fox Mike Papa. Charlie Sierra 35 au parking. Charlie Sierra 35, bienvenue sur Rennes, quittez la fréquence et à très bientôt sur la plateforme. Charlie Sierra 35, on quitte la plateforme, on vous remercie et on s'excuse pour avoir perturbé le trafic. On s'excuse aussi auprès du trafic à l'approche. Non, il n'y a pas de souci, rassurez-vous, au contraire, c'était très bien, c'était un exercice qu'on faisait entre contrôleur et justement pilote. Donc ça tombait très très bien. Eh bien, heureux d'avoir contribué. Merci encore. Bonsoir. On est tous là pour apprendre et c'est ça qui fait plaisir. Allez, à bientôt. À bientôt, merci. Les demi-tours, il va falloir les revoir. Elle est où la sortie?
Mike Papa, piste 28 dégagée au radar. Fox Mike Papa, reçu, roulé parking aviation commerciale, poste à convenance. Parking aviation commerciale à convenance, monsieur. Champ commercial, profitez la fréquence Fox Mike Papa. Fox Mike Papa, quittez la fréquence, bonne soirée. Quitte la fréquence Fox Mike Papa, bonne soirée, merci pour le contrôle. Oui, je te disais, ton tour de piste était vraiment très bien fait. Hein. Coupé, on voit bien la montée initiale, après vent traversier, vent arrière, étape de base, tu l'as fait nickel. Ah bon, ok, bah écoute, merci, content de le savoir. J'avais l'impression que c'était un petit peu limité, mais tant mieux, alors je suis content. Ouais, vas-y. Ouais, je disais que j'ai été me perdre dans le nord là tout à l'heure, après, pas évident pour retrouver. Mais bon, finalement, ce qui m'a aidé aussi, c'est quand j'ai vu l'avion qui atterrissait, ça m'a un petit peu donné une idée. J'avais vaguement repéré la piste, après il n'y avait plus vraiment de doute. Oui, c'est pour ça qu'on dit toujours en fait de faire un tour soit par la gauche, soit par la droite. La gauche, quand on est au nord, en fait, ça permet de s'évacuer beaucoup plus au nord, quoi, donc d'éviter les turbulences, et puis pas trop de se rapprocher sur la piste, hein, sur la finale. Voilà. Et puis après, effectivement, bah, il faut vraiment faire ton rond, quoi, hein, systématiquement. Parce que j'ai vu effectivement que tu partais très loin, mais bon, je t'avais pas perdu, hein, je t'aurais donné un cap autrement. Il y a eu ça. Et puis bah voilà, une fois que effectivement, quand tu vois le trafic, c'est beaucoup plus facile après, quoi. Ouais, c'est sûr. Ah, mais c'était un bon exercice. Et puis en plus, avec la remontée de piste après, donc remise des gaz, dégagé sur la droite, bon, c'est. Voilà, là il y a eu un grand exercice. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'avais anticipé le truc à un moment donné parce que je me suis dit, tiens, tu vas voir là, ça va pas être bon. Ah oui, bah le problème en fait sur Rennes, c'est que si tu veux, sur IVAO, et je pense que sur IVAP c'est pareil, il y a une sortie en fait qui est la ECO, mais dans les documents en fait du SIA, elle est fermée. Et c'est là où, si tu veux, tu vois, on va jouer en fait la réalité en fait sur IVAO. Ouais, c'est ce que j'ai vu quand tu l'as dit à l'avion, enfin au pilote. Effectivement, puis après il a obtempéré, on va dire, et il a suivi les instructions du contrôle, quoi. Ah bah oui, mais c'est mieux parce qu'en fait, mais bon, souvent il y a beaucoup de pilotes, hein, qui connaissent pas en fait ce petit problème qu'on a sur Rennes, et évidemment ils voient une sortie et en fait elle est en croix en fait sur les documents. Voilà, mais donc c'est pour ça que je t'ai fait remettre les gaz, hein, parce que tant que la piste était occupée, voilà, il n'y avait pas possibilité. Ouais, tout à fait, c'était conforme, mais comme je te disais, quand j'ai vu qu'il faisait demi-tour sur la piste et que moi je m'approchais, j'ai dit, tu vas voir, tu vas partir pour un petit tour à nouveau avec une petite remise de gaz. Donc quand tu me l'as annoncé, je n'ai pas été surpris, je me suis dit, bah, effectivement, c'est excellent pour l'exercice, parce que là, finalement, on a eu du 2-3 en 1, là, c'était vraiment sympa. Sachant aussi que j'ai été me perdre vers le nord, que je connais pas, j'ai réussi à revenir, je suis pas trop mécontent. Et tout ça sans sortir du cockpit, contrairement à mes habitudes. Ouais, réalisme un peu plus poussé, quoi. Ouais, bah oui, mais comme ça, t'as pu visiter le nord de Rennes. À peu près, ouais, maintenant je vois vaguement à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai que t'es quand même concentré sur ce que tu fais quand même. Et là, le cap, il est vraiment important. Mais ça n'empêche pas que cette sensation d'être paumé quand même. Oui, oui, bah c'est pour ça. D'ailleurs, c'est ce que me disait mon instructeur. En fait, il faut toujours faire plutôt du rond comme ça, parce qu'il y a une possibilité aussi, c'est par exemple d'allonger en fait le vent arrière. Mais à ce moment-là, les pilotes se perdent. Et du coup, il vaut mieux faire effectivement des ronds en maintenant la position, quoi. Ouais, tout à fait. Et après, ce que j'ai vu aussi, c'est quand on est au-dessus de Rennes, j'ai dit bon, je vais essayer aussi de pas rester au-dessus de Rennes. Donc j'ai vu qu'il y avait l'autoroute qui partait. À un moment donné, je l'ai suivi. Et après j'ai été me perdre, je ne suis pas trop ouvert où. Justement j'ai regardé sur plongée un petit peu où je me suis en allé.
et puis ça me permettra de voir un peu ce que j'ai fait et d'essayer de recoller tout ça. Donc là je vais rester en fréquence le temps que j'exploite un peu ma carto plongée, que je la fige, et après je te quitterai tout à l'heure. Allez, salut, bonne soirée, et puis plus tard à mercredi. Ciao, bonne nuit. Quitte la fréquence, Mike Papa. Ok, allez, bonne soirée, à bientôt. Ciao.